Salut mes amis et bienvenue à la maison. Au menu ce sera un truc pour les enfants de 7 à 87 ans au programme tendons de poulet. L'élément principal sera bien sûr le poulet, une poitrine sans peau, environ 400 grammes. Pour la garniture, il y aura deux choix, mes frites maison comme ma vidéo et la salade mesclafleur. Bien sûr, beaucoup d'autres éléments, on les verra au fur et à mesure, il n'y a pas de presse. La cuisson se fera en degrés Celsius à la friteuse. Première étape, poitrine table, couteau bleu, c'est portée volontaire. Je coupe comme ça, au milieu, tranquillement, jusqu'au bout. Terminé. Demi-poitrine, comme ça, l'autre ici. Couteau au repos. À ce stade-là, sac recyclable, comme ça, en plastique. Poitrine intérieure. L'autre un peu plus loin, comme ça. Et j'écrase, comme ça. Tourne. C'est assez. Ceci fait, les poitrines reviennent dans l'assiette. Le sac au recyclage. Poitrine comme ça, à lanière. Lanière, assiette. L'autre. Lanière dans l'assiette. Pour le couteau, c'est fini. Maintenant pour la panure, c'est une panure à l'anglaise, ça veut dire farine, œuf et chapelure. On passe aux œufs. Bon, comme ça, œuf. Comme ça. Les œufs cassés, un peu de sel. Un peu dissous ne fera pas de mal. Cuillère à café, comme ça. Pour dissous, allez voir la vidéo. Terminé. Machine miracle, et on mélange. Les œufs, comme ça. La machine miracle n'ira pas à la planche, car j'enchaîne sur la sauce. Œuf 1, moutarde de Dijon, une bonne cuillère. Cuillère terminée, on ferme. La recette maison, vous êtes chanceux, elle est sur ma chaîne. Une cuillère comme ça. Un peu de sel. Machine miracle revient. On mélange. Et on monte à l'huile. Machine déplogue. On secoue un peu comme ça. On goûte impeccable. La trempette terminée, je vais la filmer et au réfrigérateur. Maintenant, fini la réglade, on passe aux choses sérieuses. La mière dans la farine. L'assiette, c'est fini. On secoue un peu comme ça. Tourne, retourne. On tourne. Et tourne, retourne. On a deux mains, on s'en sert. On prend les lanières comme ça. Les doigts écartés. On tourne comme ça pour retirer l'excédent des farines. Bien sûr, pour cette technique, si vous avez 50 clients, c'est mieux d'être trois cuisiniers. Un pour la farine, un pour les œufs, un pour la chapelure. Lanière comme ça. Là, il n'y en a plus. Les doigts, on écarte et on secoue. Bien sûr, pour la panure, j'ai vu large, mais tout sera passé au tamis et sera récupérable. Et voilà. La farine, c'est fini. Et on tourne et retourne avec légèreté. Un par un de la chapelure. Sans les faire coller. On secoue, tourne et retourne. Et on continue. Tourne et retourne. Maintenant, les mains iront en karcher, ça veut dire à la plonge. Les mains lavées, essorées et séchées et assainies, on y va. On mélange, on écrase un peu comme ça. On secoue dans l'assiette. Pendant ce temps, j'ai préchauffé ma friteuse. Et voilà. Donc, comme je l'ai dit, tout ce petit monde ira au tamis et servira pour une prochaine fois. Mon huile est à 200 degrés Celsius. Poulet plonge. À cette plonge. La cuisson va être très rapide, environ 10 à 15 secondes. Tournez, retourne. Je n'ai qu'une friteuse, donc le poulet en premier, ensuite les frites. Comme dans le bus, on passe un par un. Après 15 secondes, c'est prêt. En effet, c'est prêt. Poulet comme ça. Tournez, retourne. Les frites. Frites comme ça. Frites plongées. Après un autre 15 secondes, ça devrait être prêt. Feu éteint. Frites se lèvent, on secoue. En effet, c'est prêt. Les frites dans le bol. Tournez, retourne. Sel. Poivre et moulin. Impeccable. Tournez, retourne. Le papier, c'est fini. Super cool. Maintenant, on dresse. Salade mesclun, fleurs. Comme ça, c'est assez. Les frites. Le restant sera pour le deuxième service. Le poulet. Vérification de la qualité, petit coup de jaune,
poulet coupe 2, super cuit, encore un peu moelleux, nickel. En fagot, et un dernier impeccable. Pour la salade, un peu de mon huile pili-pili épicée, comme ça, par-ci par-là. Maintenant, la sauce trempette, petit bol, super nickel, belle couleur. Cuillère plongée. Mademoiselle, la commande de la 55 est prête en lèvres. Et merci à vous qui me suivez au Chili ainsi qu'au Cameroun et ailleurs sur les bacs. Et merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour pas manquer une miette. Vous savez maintenant que je réponds à tous les commentaires. Et si parfois j'en manque un ou deux, n'ayez crainte, j'en prends connaissance. Et les nouveaux tabliers signés de ma main sont disponibles ici. Et merci beaucoup et à la semaine prochaine.